Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Diamond Painting. Alors, comme je vous disais hier, j'ai terminé mon DP de Gorgus. Je l'ai terminé aujourd'hui. Donc, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Bon, elle est top, hein? Moi, je l'aime bien, ma Gorgus. Bon, elle sera pas encadrée, elle va aller dans le grand carnet, vous savez, le grand bloc à dessin de chez Action. Je vous referai une vidéo là-dessus, parce que je vais coller tous les DP qui sont à peu près de cette taille-là dedans. J'ai pas encore eu le temps pour l'instant. C'est vrai que je suis très prise. J'ai un emploi du temps de ministre. Non, mais il faut que je fais le tri dans tous mes DP qui sont terminés et coller tout ça dans ce grand carnet. Donc celui-là va aller dans le bloc. Voilà. Puis ensuite, il va quand même falloir que je vois ce que je fais de tous les grands là, parce que j'en ai pas mal de grands qui ne sont pas encore encadrés. Donc, va falloir qu'un jour je me décide de voir de les encadrer. Voilà. Donc celui-là ne sera pas encadré. Je vous ferai une petite vidéo donc sur mon blog que vous avez déjà vu, hein, mais c'était tout au début quand je l'ai acheté. Donc, voilà. Bon, j'ai toujours ma mèche là qui m'embête. Oh, mes cheveux en ce moment, c'est terrible, hein. Ça continue, il faudrait que je les passe à l'eau tous les jours. Et tant que je vais chez le coiffeur les couper, c'est une horreur. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc la prochaine vidéo DP, ce sera un autre DP. Donc je l'ai préparé là cet après-midi. Donc j'ai filmé la préparation comme d'habitude, hein, la mise en pot des perles. Voilà. Alors, j'avais dit que je ne ferais plus de grand DP, mais là, bon, c'est un DP qu'on m'avait offert, ça fait un petit moment. Mon amie Sylvie m'avait offert lors d'un échange. Alors, je crois qu'elle m'a dit tout à l'heure. En message privé, je crois qu'elle m'a dit que ça datait de mars 2020. Un truc comme ça. Il faudrait que je vérifie dans les vidéos. Donc, effectivement, il était peut-être temps que je le fasse. Ou alors c'est l'album photo en scrap. Enfin, bon, de toute façon, ça doit être kiff-kiff, hein, les dates. Ça ne doit pas, je dois pas être longue. Il faudrait que je vérifie les dates des vidéos. Mais je sais que ça. Ah, ça y est, j'ai fouté mes yeux. Je ne dois pas être très longue dans les. Enfin, très longue. Très loin des dates. Donc, c'est celui-là que j'ai sorti. Donc ça va être un 60-80, la bête. La bête. Et en plus, je sors des perles rondes, je repars dans les perles carrées. Voilà. Bon, bah, c'est ma punition, hein. Voilà, oui. C'est ma punition. J'avais qu'à le faire avant. Mais bon, ça ira. Il est super beau, donc. Oh, pardon. Il est super beau, donc il n'y a pas de problème. Bon, il faudrait aussi que je termine mon DP anglais, là. Il n'est pas fini encore. Hein. Pourtant, il ne reste pas grand-chose à faire dessus. Mais il faudrait que je le termine parce qu'il est toujours pendu avec un cintre au porte-manteau devant la porte de ma salle de bain. Bon, je dis ça, mais Chouchou n'a toujours pas fini le sien non plus. Hein. Lui, il l'a complètement abandonné pour l'instant. Il ne veut plus faire de DP du tout pour l'instant. Alors, ça fait quelques mois là qu'il ne veut plus en faire. Là, le coloriage, il en a fait un. Il en a fait un cette semaine.
Mais c'est pareil, ça faisait des semaines qu'il n'en avait pas fait. Mais là, bon, à part celui qu'il a fait cette semaine, c'est tout. Bon, en ce moment, ça ne lui dit rien. Il n'est pas motivé pour ça. Mais bon, ça lui reviendra. Mais bon. Bon, je sais que lui, enfin, il se tracasse. Non, ce qu'il en a marre quand on habite ici. Il voudrait bien que notre demande de logement, elle commence à porter ses... Comment on dit? À porter ses... Bon, je ne sais plus comment on dit. Enfin, qu'on ait une réponse. Moi, c'est pareil, hein. Là, il pleut, la porte de devant, bah, il y a de l'eau qui passe en dessous, alors qu'on a une réglette, hein, mais l'eau s'infiltre. S'il fait froid du vent, bah, le vent s'infiltre de partout. Donc, je ne dis pas la chaudière, elle se met en route toutes les 5 minutes. Les fenêtres de ma chambre où je dors, c'est moisi, 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 alors que c'est du PVC. J'en ai marre aussi. Puis là, bon, il y a quelqu'un qui était venu pour voir pour les portes. Ok, je fais mon rapport. Bon, ben, il faut attendre la réponse. Comme on dit dans le Nord, hein, on aura une réponse à la Saint-Glinglin. On le jour que les poules ont des dents. Enfin, on verra. Mais bon, comme nous, maintenant, on veut un logement plein pied, je sais que c'est compliqué à avoir, mais bon. On verra. Désolée, je bâille. Ça, c'est le retour de fête. Enfin, non. C'est que ce matin, je me réveille de bonne heure, toute guillerette, si on peut dire. À fond dans ma tête, l'infirmière vient me faire ma prise de sang. L'infirmière vient me faire ma prise de sang. Où je me suis levée à 7 heures pour dire d'avoir fait ma toilette et tout. Pas bu mon café, du coup, à Trajan. Elle m'avait dit vers 7h30, 8h moins le quart. D'accord. Bon, 7h30 passe, 8h moins le quart. Je sais qu'elle a fait ses gros patients toujours avant moi. Moi, c'est une prise de sang. C'est pas... Mais quand j'ai vu 8h moins 10, moins 5 arriver. Je fais, il y a un truc que je dis, ou alors elle a oublié de le noter, parce qu'elle était venue la semaine dernière pour une prise de sang encore pour moi. Je dis, peut-être qu'elle a oublié de le noter dans son carnet, enfin, en partant dans sa voiture. Ça se peut, hein. Et Chouchou, il me dit, tu m'avais pas dit mercredi pour ta prise de sang? Je dis, bah si, mercredi. Bah, on est mercredi. Il me fait, bah non, on est mardi. Je m'étais juste trompée de jour, donc c'est demain la prise de sang. Voilà. Donc demain prise de sang, après prendre rendez-vous avec le docteur. Le 19 décembre, rendez-vous avec l'anesthésiste. Le 31 décembre, rendez-vous avec un autre chirurgien pour une autre opération, comme je vous avais dit. Et le 31 décembre... en même temps, donc 2 heures après, au même endroit, mais là je suis en train d'essayer depuis 2, 3 jours de changer le rendez-vous. Test PCR pour l'opération. Donc ce sera mon tout premier. Donc on verra. Donc j'ai rendez-vous le 31 décembre. Et donc le 2 février. Alors c'est rigolo parce que ça va être le 02-02 2022. Voilà, il y aura plein de 2. Bon, ça vous fait pas rire, moi non. Donc le 2 février, là, ce sera... je rentre, je me fais opérer direct. Voilà. Ce sera l'opération. Et là, j'ai encore un rendez-vous avec un médecin, mais je ne sais plus lequel. Ah si, mon neurologue. Voilà. Mais bon. Et quand on commence à avoir de l'âge, hein, les médecins, on les voit plus souvent que son banquier, hein, je vous le dis. Bon, allez.
Je vais vous laisser regarder cette petite vidéo. Ça fait déjà 10 minutes que je papote. Alors, vous avez vu, j'ai changé mon intro pour les vidéos. Nouvelle année, nouvelle intro. Donc, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai déjà vu que sur la vidéo juste avant, quelques-uns l'ont remarqué. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai voulu changer un petit peu pour cette nouvelle année. Sinon, voilà. J'attends vos commentaires, des petits bonjours, des petits bisous, j'adore ça. Et puis les petits pouces bleus, ça fait connaître la chaîne. Et là, depuis la dernière fois qu'on était passé à 5000, nous sommes déjà passés à 5120 abonnés. Donc, je souhaite la bienvenue à tous les autres abonnés, donc aux 120 nouveaux abonnés, je vais réussir à le dire. Voilà. Et demain, donc là que je me trompe plus, demain nous sommes le 5, donc aujourd'hui, là, alors que vous regardez la vidéo, aujourd'hui nous sommes le 5, le concours pour le Pulse s'arrête à minuit, donc si vous n'avez pas encore participé, allez voir en arrière la vidéo pour participer, à minuit il sera trop tard et je ferai le tirage au sort donc demain, le 6, le jour de la galette des rois. Voilà, donc vous saurez si en même temps vous êtes un roi ou une reine pour le Pulse. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.
Thank you.